Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien, que tu as bien dormi. Pas comme moi. J'ai bien dormi, mais pas assez. Mais alors là, mais pas du tout assez. Je pense que ça se voit. Mais bon, on y va, c'est vendredi, c'est le week-end. Donc, ne ratons pas ces trois joyeux anniversaires. Donc on va aller voir les jeux qu'on va utiliser pour le message énergétique du week-end, le court-métrage du week-end, le joyeux anniversaire du vendredi 14 juillet, samedi 15 juillet et dimanche 16 juillet. Ouh là là. Et pour le message des guides en trois choix, belle âme, on y va, allez. Ok, merci mes guides. Alors pour le message énergétique, c'est quoi le délire? L'oracle bleu? Pour le court-métrage, on a le tarot des flammes jumelles. Ça change. Pour le joyeux anniversaire, s'il vous plaît, mes guides. Parlons d'amour et de communication. Parlons de communication. Bah, parlons, bah oui, forcément, communiquer. Je suis fatiguée. Parlons d'amour, belle âme. Parlons de ton amour pour toi, de ton amour pour l'autre, pour les autres. Allez, pour le joyeux anniversaire et le message des guides en trois choix, s'il vous plaît, mes guides. J'aime quand ça vole, on le sait. Merci. Pour le joyeux anniversaire, ben, l'oracle de la paix. La paix, je crois que c'est comme hier, la paix ou la paix. La paix. Pour le court métrage, on l'a eu hier, je crois, pour le joyeux anniversaire, si je ne me trompe pas. Allez, pour le message des guides en trois choix, s'il vous plaît. Vous avez mal dormi aussi ou quoi? Allez, c'est au ralenti. S'il vous plaît, mes guides, allez. Merci. L'oracle des murmures. Tes guides veulent te murmurer. Te murmurer. Murmurer. Un message ce week-end. Alors, l'oracle bleu. Et attention. Alors, l'oracle bleu, c'est celui-ci. Le tarot des flammes jumelles, c'est celui-ci. L'oracle de la paix, celui-ci. Et l'oracle des murmures. Oh là, l'oracle des murmures, belle âme, celui-ci. Tu vois, c'est ce bel oracle. Ouh là là, c'est pas une belle chansonnette, ça. Alors,
On y va, belle âme? Enfin, dirais-tu. Il est encore très très chaud. Merci vraiment infiniment pour vos messages que tous les jours je me lève avec, je lis des messages mais juste merveilleux. Ce matin, c'était une belle âme qui m'a mis un commentaire sous la vidéo du poisson pour juillet. C'est beau. Merci. Il pleut. Depuis hier soir, ça n'arrête plus. On va moisir, comme dit ma cousine chérie. On va moisir. On va finir par moisir. Allez, on y va. Le message, l'énergie. Quelle est l'énergie ce week-end avec l'oracle? Voilà, j'allais dire une, deux ou trois. Oh là là, mais c'est beau, la transformation ce week-end. Nous transformons. Là, on parle de métamorphose et de finalité. On met un point final à quelque chose. Ok. Pour renaître. Pourquoi? Parce que ce week-end, le moment est venu de renaître, belle âme. D'accord? Eh bien, c'est beau. Opé, protégeons-nous aussi. Voilà, c'est là. C'est merveilleux. Ah, bah t'as vu, on met un point final et on franchit le pas. Il y a un premier pas de fait. Quelqu'un, où tu fais un pas, belle âme. Tu fais un pas vers de nouveaux horizons. Le pas du nouveau souffle. Ah, on se détend, mais la pluie. Oh, ma fenêtre, là, ça doit bien rentrer. Nouveau souffle, belle âme. Nouveau souffle, premier pas. Oui, il y a une transformation. On veut la renaissance. On veut renaître de ses cendres. En tout cas, il y a un premier pas. Cette transformation t'amène à faire le pas, à faire un premier pas, à franchir le pas vers de nouveaux horizons. Bim, un pas, tu passes de l'autre côté, là-bas. Le pas du magicien, de la magicienne. Ouais. Tu peux aller où tu veux. Hein. Je te signale, belle âme. Allez, on y va. En joie pour ce week-end. Et au ralenti. Allez. Bim. C'est parti pour le court-métrage. Alors, l'univers te parle d'amour, bien évidemment. Ou pas. Ça peut être l'amour sentimental. Au niveau relationnel, en tout cas, on est d'accord. Du coup, ça peut être tout. Ça peut te parler de... J'ai vraiment une sale tronche. Tu as vu que j'évite de te regarder? Parce que quand je te regarde, je me vois. Et... j'ai vraiment des yeux éclatés, ça fait peur. Sois dans la gratitude d'un bon sommeil ce midi. Allez,
On y va. S'il vous plaît, Maggie. Pour ce week-end, que se passe-t-il? Mon Dieu Seigneur, la joie. C'est pas ce que je viens de dire. Restons dans la joie ou dans le, je sais plus. La transmutation, belle âme. La joie d'une tu te transmutes. Transmutation des énergies, transformation. Tu t'éveilles à la féminine sacrée, ou alors tu il y a de la joie ici et c'est... Alors, soit c'est tu t'éveilles. Il y a une belle transformation au niveau émotionnel, en fait, au niveau de la féminine. Pour la féminine ou face à une féminine ou masculin de ta part féminine. En tout cas, de la part féminine, ok, de notre côté féminin. Il y a de la joie, il y a quelque chose, c'est une transmutation, une transformation qui va te mettre en joie. Une métamorphose, ce point final, il y a un point final peut-être qui te met en joie ici. Belle âme féminine. Ou face à une féminine, pour une féminine, avec une féminine. Oh, comme tu le veux, belle âme. On dirait que j'ai encore un petit coup de vin dans le nez. Non, c'est pas vrai, sinon j'aurais pas pu faire la vidéo. Du vin rouge, belle âme, du vin rouge. Alors, on y va. Oh, solitude. Pourquoi? Il y a une solitude qui concerne des nouvelles et C'est comme si on se prend la tête là. On envoie un message, on appelle, Alors le premier pas, c'est peut-être l'échange. Ouais, on envoie le premier pas et l'échange. La joie après une solitude ici. Ou alors il y a eu des moments de joie et du coup. Là, là, mes guides, c'est parce que la blessure, ok, la blessure, elle a... Ah bah oui, encore, elle est là. Il y a une blessure qui t'empêche de garder l'espoir. Changement, la joie du changement. Voilà, la joie d'un changement. Par contre, actuellement, on me dit cette solitude, elle est présente actuellement là. Là, tu es dans la solitude. Tu te sens seul peut-être. Ah, et on ressent ici une attraction. On ressent un lien. Le couple sacré. L'attraction du couple sacré. Oh, union sacrée, changement, l'union sacrée, et on te dit d'être dans la gratitude de cette union. C'est quoi? Alors, on te dit, le vent tourne, c'est comme ça qu'on dit ça. Mes guides. Blessure féminin sacré. Vase communicant. Il y a un changement au niveau des communications ici. Bah tu vois. Un changement qui en fait, c'est la joie d'un changement qui est voulu
Mais c'est comme si que c'était pas seulement de ta part, c'est pas seulement toi qui souhaites ce changement. Ce changement, il concerne peut-être une ou plusieurs personnes autres que toi, d'accord? Et c'est comme si que tu n'étais pas la seule belle âme à vouloir ce changement, d'accord? L'attente. Il y a une attente qui est nécessaire. Une attente au niveau professionnel également, on dit. Il y a peut-être une attente en lien avec un professionnel, la foi. Par rapport à une solitude présente, on te dit ici de garder la foi, d'accord? Par rapport au passé ici peut-être, on te dit d'être dans la gratitude. Toujours. Accueillir. Protection. Et je voulais dire, par rapport à des blessures, c'est comme si tu avais l'aide d'une féminine ici, d'accord? Il y a des blessures que la féminine elle doit comme admettre en fait qu'elle n'est pas guérie totalement. Tu vois, on te parle de justice divine, tu es protégée, belle âme. On te dit de garder, l'univers il te dit de garder confiance, belle âme féminine, concernant la féminine, ou voilà, d'accord, ta part féminine. On te dit de rester dans l'instant présent. La source se charge d'énergie négative ici. C'est pour ça qu'on te dit, garde la foi. Tu es dans une solitude actuellement, mais il y a une tristesse, mais garde la foi, belle âme. Il y a le pardon du couple sacré, sur le couple sacré ici. Il y a le pardon sur le lien. Il y a un pardon. Tu pardonnes. Et la personne te pardonne ici. C'est pour ça qu'on te dit qu'il y a un changement qui est voulu des deux côtés. Tu n'y crois peut-être pas ici, d'accord? Un changement est voulu des deux côtés. Il y a le pardon sur le couple, sur le lien. La féminine, elle est en train de... combler un manque. Elle est en train de combler un manque. Et en fait, à chaque fois qu'elle sombre, la féminine, elle a des synchronicités. Il y a quelque chose qui se passe pour lui dire, garde la foi, en fait, crois-y, d'accord? Accepte l'aide, belle âme, énergie féminine, ou concernant, ou masculin, par rapport à aux blessures de ta part féminine. Accepte l'aide. On te dit. Il y a un éveil spirituel ici. On te dit de ne pas culpabiliser. Par rapport à des énergies tierces, ne culpabilise pas de te détacher des énergies
qui te bloque. D'accord. On te dit que des blessures se ressentent dans des communications. Des blessures se réveillent. Suite à des communications ici. Malgré la solitude, garde la foi. Il y a un changement pour toi, féminine. Il y a un changement avec une féminine. Il y a une féminine qui est en colère ici. Ta féminine est en colère, féminine. On te dit qu'il y a un changement ici, d'accord? La féminine est en colère. Il y a un bonheur qui arrive, belle âme féminine, on te dit cette colère. Il faut l'évacuer, hein. D'accord? Il y a un bonheur qui arrive, il y a un bonheur qui est là. On te parle d'un voyage amour passionnel. Il y a comme, tu es comme attiré par un endroit. Il y a un lien énergétique. On te parle d'un lien. Tu es lié énergétiquement à un endroit ou à une personne. D'accord? D'où le voyage. Ok? Un voyage qui te tient à cœur. On a besoin ici de discuter, j'entends, sur une séparation. De mettre des mots. D'entendre le pourquoi d'une séparation. De mettre des mots sur une séparation, belle âme. Et c'est un défi ici. C'est comme si on te mettait au défi. De poser des mots sur une séparation. C'est un grand défi pour toi de mettre des mots, de trouver les mots. Trouver les mots, de trouver les mots. Ouais, l'amour passionnel. On te dit de rester dans l'amour, d'accord? Il y a une grande joie ici par rapport à un cadeau qui te tient à cœur. Il y a un cadeau qui est une grande joie par rapport à un cadeau ici, on dit. Un cadeau qui te tient à cœur. On t'offre. Il est temps d'accueillir. Il est temps d'accueillir, belle âme. Et par rapport aux blessures, les blessures, il y a la protection. On est d'accord sur ce qui arrive. Quelque chose est protégé, belle âme. Et on te dit, par rapport aux blessures, il va falloir mettre des mots sur ce qui t'a blessé, en fait. Sur ce qui t'a fait mal. On te dit cette solitude que tu ressens aujourd'hui. Elle est là pour t'aider à avoir la foi. Pour te reconnecter à l'énergie de foi en fait. Pour t'amener à croire au changement. Au changement que tu désires, belle âme.
J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Justice divine, d'accord? On te dit garde confiance, ouais, c'est ça, garde confiance. On te dit tu peux avoir confiance en ton intuition. Au message que tu reçois, je te dis, il y a des synchronicités. À chaque fois que tu perds la foi, à chaque fois que tu as envie, quelque part, d'abandonner, il y a quelque chose qui se passe et qui te montre, non, n'abandonne pas, belle âme, en fait. D'accord? C'est ça qu'on envoie. Et on y va. Joyeux anniversaire, belle âme. Qui fête ton anniversaire le vendredi 14, ce jour. Joyeux anniversaire. Et on va aller voir le message que tes guides ont pour toi. Divin compagnon. On te dit de persévérer ici dans tes actions. Rends compte. Une rencontre du cœur dans la nature, belle âme. Transformation. Okay. Ouais, il y a une guérison ici. Ouais. Patience, toujours. Patience, le trésor. Le trésor arrive par bateau, je sais pas. Maîtrise de soi, Canevas. Alors, c'est comme si tu as ta moitié ou une personne ou toi qui a besoin de temps. On a besoin de temps ici, j'entends. Besoin de temps. Pour qu'une situation on a besoin de temps pour voir comment on désire, en fait. C'est comme si je te vois avec, tu sais, un petit cahier, un crayon à papier, et tu dessines. Tu fais, comment on appelle ça? Une bande dessinée. C'est comme si tu avais besoin d'un temps pour dessiner, tu vois. On parle de loi d'attraction, en fait. Et on parle d'une rencontre qui... tu rencontres, il y a une rencontre qui t'ancre et qui te reconnecte au magicien, à la magicienne que tu es, en fait. Une rencontre qui te transforme totalement, qui te fait, qui te reconnecte à ton enfant intérieur, qui te reconnecte au soi, à toi. Te parle de réussite, belle âme. Libération. Il y a un lien qui te guérit, belle âme. En fait, c'est comme si que tu avais essayé de te... Tu avais tenté de te guérir auparavant et tu ne sens... Tu vois, tu n'avais pas réussi. Il est là...
Pierre Rep, non. Pierre, je sais plus. Rep. Monsieur Rep. Tu es-tu là? T'avais essayé de te libérer de quelque chose. Et que tu n'avais pas réussi. Là, il y a une rencontre. Il y a une rencontre. Tu rencontres une personne qui fait que... Cette personne, elle actionne vraiment quelque chose chez toi, belle âme. Elle te reconnecte à ton soi intérieur. Et du coup, la libération, elle se fait automatiquement. Oh, c'est beau, j'adore. Il y a une très belle rencontre ici. Soit c'est toi, soit c'est l'autre. Tu changes. Mais c'est très très beau, belle âme. J'adore. Il y a de l'abondance. Un nouveau départ, on te dit. L'espace du cœur. Contemplation et paix. J'espère que ça a résonné, belle âme. Pour ce vendredi 14 juillet, je te souhaite encore un joyeux anniversaire. Et on y va, belle âme. Samedi 15 juillet, joyeux anniversaire. On va aller voir le message que l'univers a pour toi, que tes guides ont pour toi, pour le samedi 15 juillet. Alors, acceptation. Libération. Libération qui te mène à un nouveau départ. Pour le samedi 15 juillet. Choix. Confiance. On me parle de choix de vie ici. Un choix de vie. Fertilité. Patience. Ouais. Il y a... C'est comme si que tu avais un choix à faire pour là où tu voulais t'ancrer, là où tu voulais construire ta vie, là où tu voulais vivre peut-être, d'accord? Tu as un choix à faire pour là où tu veux vivre. Il y a une acceptation, tu acceptes quelque chose ici. Ton acceptation fait qu'il y a une libération. Et tu réussis à faire un choix. Pour ton ancrage, pour ta stabilité. Une acceptation t'amène à te libérer. C'est... On te dit, hein, accès, garde confiance en fait. La confiance, on te dit tu peux. Je ne sais pas c'est quoi, mais tu peux, belle âme. C'est comme libération de la patience. C'est comme si que on te dit tu peux. Arrête d'attendre, en fait. C'est vraiment comme ça que je l'entends. D'accord? Il est choix fertilité. Il est temps de faire un choix. C'est ça qu'on m'envoie, belle âme. On m'envoie, il est temps de faire un choix. Ouais.
Parce que là, tu contemples et il faut que tu sois dans l'action. Et le temps de la contemplation est passé. Il faut passer à l'action, en fait. D'accord? Alors, ouais, c'est ça. On te dit, oui, on dit qu'il faut être patient, hein. La patience, on n'aime pas ce mot-là. Sois patient, patiente. Mais toi, arrête de patienter, en fait. On est en train de te dire, belle âme. C'est comme ça qu'on m'envoie le message. D'accord? Il y a quelque chose, on te dit. C'est bon, ça suffit, là. Tu as assez contemplé. Passe à l'action maintenant. C'est comme ça que je. J'espère que ça a résonné, belle âme, que ça t'aidera. En ce samedi 15 juillet, je te souhaite encore un joyeux anniversaire. En douceur. On y va. Joyeux anniversaire, belle âme. En ce dimanche, pour le dimanche 16 juillet, je te souhaite un joyeux anniversaire. Où cours-tu te cacher? Tu fuis quelqu'un? Ou tu te caches pour observer quelqu'un? On y va pour la belle âme qui fête son joyeux anniversaire le dimanche 16 juillet, s'il vous plaît. Hola, bébé, j'aime bien. Qu'est-ce que c'est? Persévérance. Persévère, belle âme. On te dit qu'il te faut accepter l'autre tel qu'il est. Accepte d'être dans la simplicité. Accepte la simplicité d'une personne ou accepte d'être dans la simplicité, belle âme. Tu n'as pas besoin d'en faire des caisses et des caisses et des tonnes hein, pour. Pour montrer ton amour, peut-être. Ok. Oh, bah, mes guides. Allez. Pour la belle âme qui fête son anniversaire le dimanche 16. Pardon. Il était, j'avais dit, j'ai regardé. Belle âme, c'est pas bon quand on. C'est pas bon, il faut arrêter de faire la fête le jeudi soir. Tu as besoin de demander pardon, belle âme. Et on te dit le plus simple, le plus simplement sera le mieux. N'en fais pas des caisses en fait pour demander pardon, d'accord? Demande pardon en te centrant sur ton cœur, avec des mots simples, des mots vrais qui résonnent vrais en fait. C'est un peu comme ça qu'on te dit, belle âme. Oh, refuge. Compagnon divin. La belle âme, son anniversaire dimanche 16. Nouveau départ, création. L'espace du cœur, c'est le cœur, l'espace, l'énergie du cœur te montre le chemin ici pour créer. Il y a un pardon qui t'apporte
l'abondance. Il y a un pardon qui t'ouvre les portes de l'abondance, belle âme. On te dit de persévérer pour un nouveau départ ici. Ok? Et il y a un pardon qui va... C'est comme si qu'il va falloir te réfugier dans un endroit, seul ou avec la personne à qui tu demandes pardon. D'accord. Ou alors vraiment seul, hein, c'est peut-être seul. Hein. Mais il y a un pardon qui doit être fait ici. Mais on te dit, vas-y, simplement pour le pardon, belle âme. D'accord. Le pardon, il t'ouvre les portes de l'abondance. C'est magnifique, je kiffe ton tableau. On te dit ici de persévérer pour un nouveau départ. Ta persévérance t'amène vers un nouveau départ. Ce premier pas. Tu vois? C'est comme si on te dit de créer en silence. En silence, créez toi seul ou avec une personne, mais en tout cas faites, créez dans le silence, vous devez créer dans le silence comme à l'abri des regards, tu vois, comme à l'abri des regards. La vérité, belle âme, la vérité Ouais, tu vois, il y a le serpent. Va pour un pardon, pour, je sais pas, mais pour moi, il y a bien l'énergie forte du pardon. Un pardon, il t'ouvre les portes de l'abondance, belle âme. Et on te dit la vérité du cœur ici, d'accord? La vérité, ça te libère, il y a une belle libération ici. Mais on te dit pour la vérité, ne cherche pas comme à te justifier, en fait. C'est vraiment ça. Tu vois. Pardon pour... Voilà, le mal que je t'ai fait. Mais rajoute pas le mais. Voilà. Pardon pour ce que je t'ai fait. Mais par contre, ce que je t'ai fait, c'est parce que tu as... Non, d'accord? Pardon pour ce que je t'ai fait. C'est tout. C'est suffisant. On te dit, belle âme. D'accord? Il est... Tu kiffes ton... Persévère, tu as le nouveau départ ici. D'accord? Un nouveau départ qui est en lien avec un pardon. Un pardon qui ouvre les portes à l'abondance. Ok? Une abondance qui va t'amener à comme te mettre en retrait, enfin te mettre dans ton petit coin pour créer quelque chose, vous mettre tous les deux dans un petit coin pour créer quelque chose, créer pour votre création. Oh, c'est beau, j'adore, belle âme. Je te souhaite un joyeux anniversaire pour ce dimanche 16 juillet, belle âme. J'espère que ça résonne. On y va? Message des guides en trois choix. Bah dis donc, c'était pas... Ça va le temps, on dirait. En raison que c'est... Un joyeux anniversaire, trois jours. Ouais, on dirait que c'est... J'ai géré. Ma fatigue. Avec ma fatigue, j'ai géré. Tu vois, c'est... J'aurais dormi toute la journée, là, je t'avoue. Je pense que tu peux le voir avec mes yeux éclatés. Mais j'ai ouvert mes yeux pour, tu sais, ce petit pipi du matin, là. Et je suis retournée dans mon lit, je fais, ah non! La belle âme, elle attend son anniversaire, son message du joyeux anniversaire, là. Il y a le vendredi, le samedi, le dimanche. Je fais, ah non, je peux pas faire ça. Lève-toi, va prendre ta douche.
Et fais le message du week-end. Et c'est parti. Fais ton choix, belle âme. Première belle âme, deuxième belle âme, troisième belle âme. Message pour ce week-end. Première belle âme. Message de tes guides, belle âme. Pour ce week-end. Pour la deuxième belle âme. Tu me boostes. Tu vois, je sais que tu attends. Et donc, je fais non, non, non. T'avais qu'à pas boire ce dernier verre de vin. Tu vois. Je vais pas te faire payer mon écart dans ma soirée. Alors, deuxième et troisième. Voilà. Oh, ah ben non. Ah ben non. Je peux pas... On vous parle de la magie, la magie, la magie de l'introspection. Une magie intérieure. La magie intérieure. S'il vous plaît, pour le troisième choix. Merci. Bim. Oui, quelque chose se passe à l'intérieur. Ici. Alors attends, je te dis. Ouais. Je ressens l'importance du silence, on te dit ici. Elle est là, la mouche. Je crois qu'elle a fait du bruit pour toi, là. Elle était juste à côté. On y va. Première belle âme, premier choix. La justice, la carte 24, si ça te parle. La numérologie, moi je suis pas numérologue, c'est ça même, non? Alors, on te parle d'équilibre, de responsabilité, de sagesse et de vérité, belle âme. Son essence, ô justice inéluctable, qui puise ta source dans l'équilibre. À tes côtés, je perce les mystères. Ô justice impartiale, j'invoque ici ton pouvoir. Mets en lumière aujourd'hui ce que je dois percevoir. Oh, j'adore. Cette carte, l'univers, tes guides, te propose de trancher avec justesse. D'accord ? Prends position et recouvre l'équilibre. L'ombre disparaît face à la lumière. La sagesse de ton cœur et ta droiture sont autant de ressources sur lesquelles il te faut compter pour retrouver la stabilité. C'est des vous, en fait, et j'essaye de dire en tu. D'accord ? Si tu traverses une épreuve d'injustice, n'oublie jamais qu'une belle leçon de sagesse s'éveille. Mais ton pouvoir à profit. En déséquilibre, face à l'injustice, tu as abandonné tes responsabilités. On te conseille de maintenir l'équilibre avec justesse. Pour arriver en équilibre, retrouver ton équilibre et faire des choix juste. Arriver à ce que tes choix soient justes et qu'ils soient l'écho de ce que tu es. Ouais, tes choix sont justes, ils sont l'écho de ce que tu es. Deuxième belle âme, deuxième choix. Ce nourrir, la carte numéro 12. On te parle ici de goût, santé, potion et savourer. La formule sacrée, je me nourris en conscience. Son essence. Dans ma marmite. Une pincée de feuilles, une touche de fleurs, un brin de malice et ça mijote. Sur mon palais,
ça crépite. Dans mes veines, ça s'agite. Potion de soin, je te tiens entre mes mains. C'est murmure, tes guides te murmurent. Cette carte appartient à la famille des sens. Elle te rappelle l'importance du goût. Apprends à apprécier toutes les saveurs que la vie te propose en conscience et nourris ainsi ton pouvoir créateur. Tout n'est que question de dosage. N'oublie pas qu'une potion de guérison sommeille toujours quelque part. Si tu es en déséquilibre, belle âme, tu ne sais plus apprécier les saveurs qui te sont proposées. Du coup, tes guides te conseillent de concocter les potions qui t'appellent pour retrouver ton équilibre et savoir prendre soin de toi et te nourrir et nourrir ton corps en conscience. Et voilà, belle âme. Troisième belle âme, troisième choix. Souhait, la 36. La carte 36. On te parle ici de rêves, d'aspirations et de vœux exaucés. La formule sacrée. Je souhaite et sème les graines de mon avenir, son essence. Je me laisse aller à égrener mes souhaits. J'inspire le meilleur et emplis ainsi mon cœur. Emporte mes rêves et berce mes nuits. Tu me sécurises et m'accompagnes dans cette vie. Tendresse maternelle, je te chéris. Tes guides te murmurent. Cette carte, tes guides t'invitent à entrer dans la cadence et à suivre cette vague qui te mènera plus loin. Tes aspirations sont les doux échos de ce qui sommeille en toi. Paix ou agitation? Tu ne peux contrôler la vie, mais tu peux maîtriser les courants qui te traversent. Matérialise tes rêves une fois l'émotion vécue. Sens cette sécurité qui te soutient tout au long de ton chemin. Si tu es en déséquilibre, alors tu en as assez de désirer. Attends, tu as assez de désir et ton feu intérieur s'essouffle. Tu as cessé. Tu as cessé de désirer. Voilà, tu vois, désir. Il y avait un R, j'ai même pas vu le R. Tu as cessé de désirer et ton feu intérieur s'essouffle. Donc, tes guides te conseillent de formuler tes souhaits pour l'avenir, pour retrouver un équilibre et que tes souhaits semés soient en voie d'être exaucés. Et voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. On a terminé ? Pour ce message du week-end, avec ma tête éclatée. Mais c'est bon, on y est arrivé. On y est arrivé, oui, ça se dit. Je te souhaite, belle âme, un merveilleux week-end dans la joie, la bonne humeur. Repose-toi si tu en as besoin, d'accord? Et pour être en forme, lundi, je suis vraiment au ralenti. Ce verre de vin, là, le dernier, il m'a fatigué, je crois. Belle âme.
Je te souhaite un merveilleux week-end, tout plein d'amour, plein de bisous et comme toujours, tout mon amour. Je te dis à lundi. Bye bye.